Russian cadaver. Pitoyable. C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur. Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère... ta mère... Qu'il s'en remettrait. Mais non. Ce qui est brisé reste brisé. Il est resté faible. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi? Non. Tu ne me briseras pas.
arrête de faire joujou. Shaogua. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Pas de jouer au lit. Shaogua. Non. Tu vas mourir, Ejigil. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère au cochon. Mourir, Ejigil. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère au cochon. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère au cochon. Thank you.
Amita, Yuma est morte. Tu as tué le démon de Durgesh. Ne t'inquiète pas, AJ. Pagan est le prochain. Tu t'es évadé de la prison ? Tout ça, c'est grâce au dur, bien sûr. Les renforts arrivent ! J'ai attendu ce moment. Ceci est un message du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Le pirate. Je croyais que j'étais foutu. J'ai une dette envers vous. Hé, Badra. Salut. À moins que tu préfères Tarun Matara. Tu peux m'appeler Badra. Pour l'instant. Ça va pas ?
Celui qui prendra le temple de Jalendu sera notre chef. L'avenir du Kirat est en jeu, et je suis prise entre Amita et Sabal. Tu les as vus, tu sais comme ils sont. Amita insiste pour détruire le temple. Elle dit que ça libérera les femmes du Kirat et... que ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que Tarun Matara était une bonne chose. À en croire Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour me sacrer Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux un Kirat libre. Mais je peux pas choisir moi-même. Amita et Sabal ne seront jamais d'accord, alors... c'est à toi de jouer, AJ. Tu as déjà fait beaucoup, le Sentier d'Or voudra t'écouter. Mais tu dois bien comprendre que... celui que tu soutiendras à Jalendu deviendra le leader incontesté du Sentier d'Or. Et une fois Pagan vaincu, ce sera aussi le leader du Kirat. Ok. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci. Badra m'a dit que tu te préparais à détruire Jalendu. Il s'agit pas seulement de détruire le temple. Ce que je veux, c'est envoyer un message à tout le monde. C'est un grand jour pour le Kirat. C'est fini, nous ne sommes plus enchaînés au passé. Sans la Tarun Matara, les gens réaliseront enfin qui est vraiment Sabal. Un idiot, un simple d'esprit, un menteur qui squatte des ruines. Prends tout ce qui a de la valeur, on pourra le fondre et le revendre. Mais pour ce qui est du temple, je veux que tu le détruises. Complètement. Sabal. Il paraît qu'Amita veut s'attaquer à Jalendu. Cette pauvre demeurée. C'est déjà dur de voir Pagan tout détruire autour de nous, et en plus, elle lui mâche le travail. J'en ai assez. Tu ne peux pas savoir ce que Jalendu signifie pour le Kirat, et aussi pour Mohan. Il est fier de toi, tu sais. On s'empare du temple. On purifie Badra, on unit notre peuple dans la lumière de Kira. Avant de détruire le temple, trouve et sécurise le coffre qui contient l'or. Si tu as besoin d'un coup de main, des guerriers du Temple d'Or sont prêts à t'aider. Des hommes de confiance. Thank you.
t'imposer les explosifs, parce qu'on a besoin de toi au bateau. Et vite! Amita, j'ai fini avec les explosifs. J'aimerais être là pour voir leur tête quand le feu d'artifice. Bravo, AJ. Les bateaux sont chargés, on est prêt à partir. On n'attend plus que toi. Amita. Merci, AJ. Sabal n'est plus aux commandes. Et Badra est enfin libéré de ces conneries de Tarun Matara. Et en plus, maintenant nous avons de l'or pour nous sortir du trou puant dans lequel il voulait nous laisser. AJ, c'est un grand jour pour le pirate. Du Sentier d'Or, ici Paganil. Vous croyez peut-être avoir gagné maintenant que vous avez votre précieuse Tarun Matara, mais si quelqu'un parmi vous a la moindre petite once de jugeote, il comprendra que les enfants dieux ne font pas le poids face à un fusil chargé. Alors, vous pourriez en effet croire à une victoire, mais vous auriez bien tort. Je te l'avais promis. Sabal est parti, tu ne crains plus rien, Badra. Oublie la Tarun Matara. Ramène-la au camp. On ne sait pas où est Sabal et je me méfie de lui. Se passe quoi avec Sabal? Pas maintenant. On a de plus gros problèmes. Pagan va attaquer Utkarsh avec son artillerie. On ne peut pas le laisser faire. Détruis ces canons avant qu'Utkarsh soit rayé de la carte. Très bien, j'y vais.
n'est pas abandonné. Ils visent notre position. Libérez la fréquence. Je suis au premier canon. Comment je fais pour le détruire? Occupe-toi des soldats. Des renforts arrivent. Dernier. Où sont les renforts? On arrive sur ta position. AJ, on a des soldats derrière nous. AJ, protège les sapeurs qui viennent vers toi. Ils s'occuperont des canons. Thank you.
pouvoir aider à reprendre l'autre. Ça y est, vous êtes sauvés. Ils auraient rasé Outkarch sans ton intervention. Ah. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils te doivent. Tu as mérité de souffler. Mais pas longtemps. S'il te reste encore des choses à faire, je te suggère de t'en occuper. Le Kirat aura besoin de toute ton attention pour l'assaut final.
Mettez-moi une. Non, pas ça. C'est un message du ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Le Kirat a besoin de vous plus que jamais. Le règne de terreur du Sentier d'Or. Personne pense à mes abeilles ?
se faire... J'ai besoin d'aide. Popularité du Sentier d'Or. Et je vais pas vous mentir, c'est quand même une sacrée surprise. Moi qui croyais qu'Amita était bien placée avec son idée d'avoir une économie basée sur la drogue, ça va, de notre côté, il défend nos valeurs traditionnelles. Mais là, c'est quoi pour notre pays, la religion? On connaît la réponse. Où ils sont tous? Au calèche. Nous nous préparons pour l'assaut final. Le dernier, qui tout double. Sabal est en train de diviser le Sentier d'Or. Il met notre avenir en danger, Ajay. Trop, c'est trop. Est-ce que tu me demandes de... Je te demande de le tuer. Je suis très prudente sur le choix de mes mots, Ajay. Ne le laisse pas s'en sortir par la ruse. Franchement, tu croyais vraiment qu'il accepterait que tu le trahisses pour te joindre à moi? On ne peut pas le laisser vivre. Ajay, sois prudent. Le Sentier d'Or a besoin de toi. Et moi aussi. Pagan. Mais rien, j'appelle juste pour avoir de tes nouvelles. On m'a dit que tes amis se bouffaient un peu le nez. Ça doit être dur pour toi de choisir entre les deux. C'est un choix difficile. Crois-moi, j'ai connu ça. En fait, tu devrais même me remercier pour ce que j'ai fait par le passé. Des choix comme Yuma. Je suis passé à la télé pour te la servir sur un plateau et j'ai horreur de la télé. La radio, ça c'est plus mon truc. Et toi, tu as sauté sur l'occasion. Pauvre Yuma, elle me manquera. J'ai eu beaucoup de mal à choisir entre elle et toi, tu sais. Mais j'ai fait le bon choix, tu verras. Évidemment, j'imagine que tu es pressé. Des endroits à visiter, des gens à buter, je te laisse continuer. Mais n'oublie pas, Ajay, les choix ont des conséquences. Ajay, je veux que tu saches que j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Sabal ne laissera jamais tomber ses croyances, si tu le laisses vivre. Il faudra pas attendre longtemps avant qu'il déclenche une nouvelle insurrection de son côté. En le tuant, on renforcera la cohésion du Sentier d'Or. Et on pourra éviter qu'une autre guerre civile éclate, alors qu'on vient à peine de détrôner Pagan Min. C'est de ça que le pirate a besoin. Quand l'heure viendra d'appuyer sur la détente, je sais que tu feras le bon choix.